continents, donc de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord, bien sûr des autres continents. Voilà, c'est vraiment voilà, exceptionnel et je pense que c'est une opportunité pour les Maliens de venir dialoguer avec ces écrivains. Un événement comme celui-ci montre que le Mali continue de fonctionner quels que soient les problèmes. La culture est un lien, malgré les problèmes, le pays fonctionne. Pour moi, c'est quand même au moins un signe que le Mali n'est pas seul. Nous sommes venus de partout pour cet événement. Tombouctou Djenné, c'est des cités antiques du savoir, c'est des cités du manuscrit. Et le livre commence par le manuscrit, donc c'est tout à fait naturel qu'on commence par Bamako, bien sûr, mais aussi Djenné et Tombouctou. Et puis maintenant, en étant à Sikasso, on va continuer à étendre aux autres villes du Mali. Mais je suis un habitué de l'événement, hein, donc depuis toutes ces années, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une véritable attente, surtout des jeunes dans les universités ou dans les lycées, une grande attente, peut-être de véritables échanges. Et au-delà de tout, de rencontres humaines. On a eu une cuvée très intéressante. Voilà, 50 titres nouveaux. Donc c'est extrêmement intéressant et important.